Du premier débat de la primaire de la gauche, suivi par 3 800 000 téléspectateurs hier soir sur TF1. Et c'est un score plutôt décevant pour ce premier débat. Moins d'un téléspectateur sur 5 avait choisi donc de suivre les échanges entre les candidats à la primaire. Il y a l'après, mais je crois qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que vous avez la peur du Macron et vous avez la certitude que les Français détestent en période de crise que les gens se claquent les uns les autres. Ouais. Donc il y a une pression extérieure qui justifie les termes qui sont utilisés par Hidalgo et autres, qui est très forte. Il a soigneusement évité de tomber dans les règlements de compte et la polémique avec Manuel Valls. C'est celui qui a le mieux défendu son projet. Alors il manque encore un peu d'assurance à la stature d'homme d'État. Oui, la frustration, je pense que pour le spectateur, le téléspectateur, le citoyen, je pense que c'est un exercice assez peu éclairant. Et au bout du compte, surtout ce qui m'embête un peu plus, c'est que je pense qu'il est assez peu séduisant. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme. C'est la fierté de Manuel Valls qui vous reste un petit peu comme ça, Jean-Michel, parce que fierté, ça ne veut pas dire j'assume, c'est ça que vous dites en fait. Ouais. Il ne qualifie pas le bilan, il dit j'étais fier de servir les Français. C'est une manière de nier totalement le bilan. Je trouve ça incroyable. Il est Premier ministre sortant, et en fait, même si dans le débat ce sera un peu différent, quand on lui demande de qualifier le bilan, il dit non, moi je ne réponds pas à cette question, moi je suis fier d'avoir servi les Français.